c'est sur les plages de sable blanc que nous continuons notre balade à la découverte de la faune de Djibouti. Le littoral, très apprécié des touristes, est aussi l'habitat naturel de nombreuses espèces, à commencer par le Berlard l'ermite, un petit crustacé qui utilise les coquilles vides comme maison. Il en change régulièrement à mesure qu'il grandit. D'autres crustacés, comme ce crabe, comptent plutôt sur leur rapidité à se réfugier soit dans l'eau, soit dans un trou creusé dans le sable, pour échapper à une quelconque menace. Il existe plusieurs espèces de crabes à Djibouti, chacune possédant un camouflage adapté au milieu dans lequel elle évolue. À quelques centaines de mètres de la plage, un banc de dauphins est en chasse le long de la barrière de corail. Les dauphins sont des mammifères sociaux, évoluant en groupes familiaux. Ils utilisent divers types de vocalises pour se reconnaître et se coordonner lors d'une chasse en groupe. De nombreuses espèces d'oiseaux, comme ces goélands à iris blanc, fréquentent les plages de sable, en particulier près des mangroves. Ici, une colonie de sternupées. Ces groupes peuvent comporter plusieurs centaines d'individus. Entre mer et désert, une forêt est inondée, une image qui contraste avec les terres arides du pays. Il s'agit de la mangrove de Godoria, au nord d'Obok, la plus grande mangrove du pays. Elle est constituée de palétuviers, une espèce d'arbre capable de pousser malgré la forte concentration en sel de l'eau et du sol. L'enchevêtrement des racines aériennes constitue un refuge idéal pour bon nombre d'espèces de crustacés, mollusques et poissons. Les mangroves sont de nurserie pour les petits poissons et par conséquent, elles sont essentielles au maintien de certaines populations de poissons et donc au maintien de l'activité de pêche. La mangrove permet aussi de limiter l'érosion du littoral, de filtrer l'eau et de capter le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Voici des aigrettes à gorge blanche ou aigrettes des récifs. Ces oiseaux utilisent une technique de pêche particulière, s'approchant de leur proie au ras de la surface de l'eau pour bénéficier d'un effet de surprise et ainsi éviter que leur ombre ne les trahisse. Certains individus de cette espèce possèdent un plumage totalement blanc. Beaucoup plus gros, un ibis tantal. Reconnaissable à son plumage blanc et ses ailes noires, sa tête rouge et son long bec jaune. Contrairement à ce que son nom laisse à penser, il ne fait pas partie de la famille des ibis, mais des cigognes. D'ailleurs, la traduction de son nom anglophone est cigogne à bec jaune. Cet oiseau utilise une technique de capture différente. Il avance dans l'eau peu profonde,
remuant le sable et la boue avec ses pattes afin de forcer les petits animaux qui s'y cachent à prendre la fuite. Il laisse son bec entrouvert, constamment plongé dans l'eau, telle une pince qui se refermera au moindre mouvement d'une proie potentielle. Un autre oiseau emblématique des mangroves fait son apparition. Le héron Goliath. Pouvant atteindre 1,50 m de haut, avec une envergure de plus de 2 mètres, c'est le plus grand héron du monde. Contrairement aux espèces d'échassiers plus petites comme les aigrettes, ce héron peut s'aventurer beaucoup plus loin dans les eaux peu profondes. Il utilise son cou pour propulser son bec, tel un harpon pour pêcher les poissons. Lorsque la mer est basse, les zones de sable et de boue qui ne sont plus immergées permettent aux limicoles de se nourrir. De nombreuses espèces peuvent être observées, capturant de petits invertébrés. Chaque espèce possède une taille et une forme de bec différentes, adaptées pour un certain type de proie. Ainsi, les différentes espèces de limicoles ne sont pas en concurrence pour la nourriture et peuvent cohabiter. Un peu plus en retrait, des guêpiers de Perse utilisent un arbre mort comme perchoir. Cette zone de la mangrove de Douda a été détruite par les activités humaines, notamment le surpâturage. Les mangroves sont des écosystèmes très importants, d'un point de vue de la biodiversité, mais aussi de la protection des côtes face à l'érosion, ainsi que pour le maintien de l'activité de pêche. Il est donc très important de les sauvegarder et d'œuvrer à la restauration des zones endommagées. À mesure que l'on s'éloigne du littoral, la mangrove laisse place à des plaines sableuses, parsemées de buissons et de plantes herbacées, constituant l'habitat idéal pour le cirli du désert. Les longues pattes de ce passereau lui permettent de se déplacer rapidement au sol, afin de débusquer et de poursuivre les petits vertébrés tels que les lézards, même si son régime alimentaire se constitue principalement d'insectes. Beaucoup plus discret, un couple de gangas tachetés. Leur plumage reproduisant les variations de couleur des surfaces sableuses et caillouteuses les rendent presque indétectables. Il existe trois espèces de gangas à Djibouti. Le ganga à ventre brun s'observe fréquemment dans la vallée de Djalelo. Lorsqu'ils sont en vol, les gangas émettent des cris leur permettant de maintenir la cohésion du groupe, mais aussi d'attirer d'autres individus aux alentours. Les pluies relativement abondantes durant les derniers mois ont transformé les zones désertiques en plaines herbacées, permettant ainsi aux éleveurs nomades de s'installer sur de nouveaux pâturages avec leurs troupeaux.
Lorsqu'ils se déplacent, l'ensemble des éléments du campement sont transportés à dos de dromadaire. Un bulbul de Somalie profite d'un point d'eau aménagé pour prendre un bain. Il est accompagné d'un pouillot. Un couple d'élagnons nocleaires s'est aussi installé dans la vallée, utilisant la plaine comme terrain de chasse. Les élagnons sont de petits rapaces de couleur gris cendre et blanc. Ils se reconnaissent facilement en vol avec leur longue queue fourchue en forme de ciseau et à la tache noire au niveau de la couverture sous à l'air. Le printemps marque le début de la saison de reproduction chez les élagnons. Ces rapaces chassent de petites proies, telles que des orthoptères et d'autres insectes. Ils sont aussi très friands de petits vertébrés, comme les lézards et serpents, et les petits rongeurs, particulièrement durant la saison de reproduction. Deux gazelles de Pelzen femelles accompagnées d'un mâle parcourent la vallée de Djalelo. Au sommet des collines, deux autres mâles se tiennent compagnie. Il est commun chez cette espèce que les mâles célibataires non territoriaux forment des groupes. Les récents épisodes de pluie ont provoqué l'apparition massive d'insectes, notamment de mouches qui harcèlent les antilopes durant la journée. Une autre espèce de gazelle observable à Djibouti, la gazelle Somring. Plus grosse que la gazelle d'Orca, elle se distingue de cette dernière notamment par son pelage de couleur sable presque jaune, son masque facial noir et blanc et son arrière-train blanc, ainsi qu'une gorge blanche et des cornes incurvées vers l'intérieur. Cette antilope est endémique de la Corne de l'Afrique, avec trois sous-espèces identifiées à l'heure actuelle. Vivant en groupe pouvant compter plusieurs dizaines d'individus, ce ruminant se nourrit aussi bien de graminées que de feuilles d'acacia et diverses autres plantes. Les mâles adultes, territoriaux, sont souvent observés seuls.